Bonjour, j'ai rendez-vous pour l'IRM. Je prends la cabestre. Oui. Début juillet, Serge Vermette apprend une bien mauvaise nouvelle. Alors, j'aboutis au CHUM en uro, et là, la dégringolade, c'est l'investigation pour le cancer de la prostate. Il doit passer une imagerie par résonance magnétique, mais au public, l'attente était d'environ 6 mois. C'est l'urologue lui-même qui m'a référé à une clinique. Et j'avais le choix. J'y vais, ou je paye ou je paye pas, etc. Il décide de payer 900 $ pour passer l'examen. Ah ben moi, je suis scandalisé. Moi, je suis un pro-système santé publique. Fini, M. Vermette. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Mais au public, l'attente en radiologie explose. Entre 2019 et 2023, le nombre de patients qui attendent une IRM a augmenté de 25 %. En tomodensitométrie, c'est 77 % de hausse. Et pour les mammographies, 54 %. Beaucoup plus de femmes attendent un dépistage. On en comptait 13 000 en 2019. Elles sont maintenant 20 000. Un problème qui retarderait certains diagnostics de cancer. Et entre autres, en mammographie, on le voit, on n'a jamais autant vu de cancer du sein qui était diagnostiqué plus tardivement à cause d'un délai. Un avis partagé par les oncologues. Au niveau de l'accessibilité à un diagnostic de cancer, on constate des retards. Au niveau du suivi des patients qui ont été opérés avec un diagnostic de cancer, il y a des retards. Puis au niveau même du suivi des traitements, il y a des retards aussi. Des retards qui ont des conséquences. Si on voit des patients plus tard dans leur processus, bien, il y a plus de patients qui ont des maladies plus avancées. Alors, je vais arrêter quelques secondes pour planifier la prochaine série d'images. Les délais en radiologie sont dus en partie à la pandémie, mais le principal facteur est la pénurie de technologues en imagerie médicale. Sur les quelques 3 400 postes du réseau public, 16 % sont vacants. Et c'est pire dans plusieurs régions, par exemple dans l'ouest de Montréal, 24 % des postes sont à pourvoir. Même chose en Mauricie, encore plus criant en Outaouais, où 41 % des postes sont vacants. On a des milliers de dollars d'équipements partout au Québec, dans les hôpitaux puis dans les cliniques qui ne sont pas utilisés parce qu'on n'a pas de technologue pour les faire fonctionner. Si c'est une salle d'échographie, c'est les technologues qui prennent la graphie, fait qu'on en a deux salles comme ça. Plusieurs cliniques privées veulent que Québec leur sous-traite plus d'examens. Antécédents de chirurgie de cholestéatome et méningocèle. Il y a la capacité résiduelle dans les cliniques de radiologie, entre autres. Nous, ici, on a des plages de scan, des plages de résonance qui ne sont pas utilisées. Québec est conscient du problème et, comme pour les chirurgies, souhaite sous-traiter plus de mandats aux cliniques privées pour tenter de réduire l'attente en radiologie. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.